Bonjour Ruben, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Vraiment, que cette histoire vous aide à ne pas commettre la même erreur. C'est un truc vraiment hors du commun que je viens d'apprendre. Vraiment, c'est triste. Vous voyez la fille que vous voyez ici? Cette fille, c'est une personne qui fait ça. En fait, c'est une maquilleuse professionnelle. C'est ce qu'elle fait pour survivre. Et un jour, aux alentours de 16 heures, elle a reçu un appel. Un appel d'une femme qui lui a dit, écoute, s'il te plaît, viens me maquiller. Elle a dit, non, c'est pas possible, parce que l'heure est déjà partie. Et en plus, là où j'habite, c'est vraiment très loin. La femme lui a dit, non, écoute, il n'y a pas de problème, viens, pardon, c'est la seule personne disponible, il y a plus de monde, ça ne va pas. Donc, s'il te plaît, viens. Elle dit, bon, vu la mer, c'est loin et tout ça, j'aimerais que tu me payes 15 000 naira. Un peu comme 15 000 francs. Je ne sais pas combien ça fait en euros, mais. Elle dit qu'elle aimerait avoir ça. La femme dit, il n'y a pas de problème. Je vais te donner les 15 000 francs. Et comme nous sommes trois, je vais te donner chacun, pour chaque tête, tu vas prendre 15 000, 15 000. Donc, fais le calcul. C'était censé être ça, ce que la femme devait payer. Mais, arrivé là-bas, après que la fille l'ait maquillée comme il se doit, elle décide de lui donner un autre montant que le montant convenu. C'est ce qui a créé la bagarre. Regardez, ça a créé la bagarre là-bas. Vous voyez ça? Ça a créé la bagarre. Vous voyez ça? Quand vous allez voir ça, vous allez dire, oh, vraiment, comment les gens sont comme ça? La fille, elle dit que c'est ce qu'elle fait pour survivre. Donc, elle ne peut pas jouer son travail, que la femme lui donne tout son argent. Parce que la femme lui avait donné de l'argent, mais c'était incomplet. C'était incomplet. Donc, il disait, donne-moi tout mon argent et tout ça. La femme dit, mais de quoi tu parles? Elle a voulu transformer cela en bagarre. Alors que c'est pas, ça ne pourrait pas arriver juste à là. C'est comme ce genre de personnes qui ne sont pas honnêtes. Ils vous disent, par exemple, tu viens, je vais te payer 1 000 euros. Tu arrives là-bas, tu finis de faire le travail, ils te donnent juste 800 euros. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? L'argent n'est pas complet. La personne dit, oh, c'est pas complet comment? C'est que s'il faut prendre ça, tu vas partir. Tu dis, mais c'est pas complet. Tu dois me donner le reste de l'argent. Sinon, tu ne prends pas. Et cette personne décide de faire les cafouillages, transformer cela en bagarre. Et regardez, c'est venu sur les réseaux sociaux. La fille, elle a reçu des coups venant de cette femme. Et regardez. Ça l'a carrément presque défiguré. La femme avec ses ongles, ses longues ongles. Elle a pris ses longues ongles là pour griffer la fille là d'une manière non, que là où il y a le point, il y a le point blanc, 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 ce sont des traces de griffes hein, que vous voyez comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je vous en parle et vous donne un conseil par rapport à ça. Ça va vous éviter beaucoup d'histoires. Parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes dehors. Maintenant, je vous pose une question simple. À la place de cette fille, qu'auriez-vous fait d'abord? Qu'auriez-vous fait? On dit l'ouvrier mérite son salaire. Normalement, l'ouvrier, il travaille. Après, on lui donne son salaire, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, vu là où ça a tenté d'aller, là, je pense que on va faire comme les artistes. Les artistes chanteurs, il y a un contrat qui est là, tu me payes la moitié. Ah, et quand j'ai fini ma prestation, tu me payes le reste. Mais ici, là, ça va aller plus que ça. Tu me donnes mon argent et je commence à te caresser le visage pour éviter les histoires. Vous voyez? Vous voyez? Ou bien, qu'en pensez-vous?
Quand on vous dit que l'ennemi des Africains, ce sont les Africains, vous pensez que c'est de la blague. La fille, elle n'a que ça pour survivre. C'est ce qu'elle fait pour survivre dans un monde si dur, dans un monde si difficile. Et c'est ça que cette femme a vu pour attaquer. C'est ça que cette femme a vu pour attaquer. En tout cas, laissez-moi vous dire, l'ennemi n'attaquera pas n'importe où. Il attaquera là où ça vous fera le plus mal. L'ennemi veut mettre du sable dans votre artiquet. L'ennemi veut mettre du sable dans votre riz. Et regardez, les gens sont venus séparer. Toi, tu dois la fille là-haut. Tu n'as pas donné son argent. Tu es en train de faire la bagarre. Tu n'as pas l'argent complet. Tu l'appelles. C'est par rapport à quoi? Pourquoi? Après ça, la fille, elle a fait une vidéo. Histoire de dénoncer la femme. Dénoncer ce qu'elle a fait. Et que ça nous sert de leçon à nous. En tout cas, moi, je viens pour partager ça, afin que vous puissiez aussi être un peu prudent par rapport à ce genre de choses. Vraiment. Ça me rappelle ce qui s'est passé avec moi en début d'année 2022. J'étais allé faire des achats. Et arrivé là-bas, la femme me disait que le produit qu'elle me vendait, c'était un bon produit, je n'ai pas à m'inquiéter. Moi-même, quand je regarde le produit, je dis, c'est un peu bizarre. Mais, comme c'est une femme qui parle, je vais l'écouter. Vous voyez, non? J'ai dit, comme c'est une femme qui parle, et que c'est une femme, donc je vais l'écouter. Sans savoir qu'il faut faire confiance en personne. Quelques temps plus tard, j'étudie le produit. Je vois que il y a un problème. Je dis, ah, ça là, c'est ce qu'il lui disait là-bas. Il disait que c'était s'il n'y avait pas de problème. Hein. Maintenant, voici un problème. Puisqu'elle est dans une agence, moi je vais retourner là-bas et lui dire de faire ce qu'il faut afin que le produit fonctionne normalement. Et j'étais heureux de retourner là-bas parce que elle m'avait promis que au cas où le produit avait un problème, je pourrais revenir pour faire les changements, remplacements et tout et tout. Et moi, j'y croyais. Alors que même ça, il ne faut même pas y croire à ça. Soit ça marche le même jour, soit ça ne marche pas. Point. Si ça marche, tu payes ton truc, tu lui donnes son argent. Si ça ne marche pas, ne crois, ne te fume pas ce que les gens disent, les promesses des gens. Les gens ne croient plus aux promesses des gens. Ça, c'est terminé, ça. Waouh. Et voici que j'y vais. J'arrive dans le lieu de service et je vois que il y a une dispute qui éclate entre une autre femme et un client. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? C'est là que j'ai vu que, avant que je n'arrive ici, déjà les sorciers étaient déjà informés que j'arrivais. Ils ont commencé à créer des troubles juste pour que ce que je suis venu me chercher là-bas, ça ne puisse pas se faire. À un moment donné, j'ai vu la femme. Je l'ai vu et dit, ah bon, ok, voici le produit, je t'avais dit. Je t'avais dit que ça n'allait pas fonctionner correctement. Elle a commencé à me raconter des histoires. Que genre, tu dis que tu m'avais dit que quoi? Que genre, tu dis que tu m'avais dit que quoi? Mais tu as acheté le produit, non? Mais tu as acheté le produit, non? Tu t'es tout dit, mais tu as choisi, non? C'est toi qui as choisi, non? C'est toi qui as choisi. J'avais rejeté la faute sur moi-même. Alors que c'est elle qui me guidait. Elle se jouait le conseiller ou le conseiller. Mais quand il y a eu problème, elle a oublié toutes ses promesses. Tout. C'est ce jour-là, j'ai dit qu'il ne faut faire confiance en personne. Que la personne soit blanche ou noire, ne faites confiance en personne. Que ce soit les gens de la banque, les conseillers de la banque, les conseillers de quoi que ce soit, télécommunication. Ne faites confiance en personne. Vous-même, faites vos propres recherches. Découvrez les informations par vous-même avant d'aller sur le terrain. Ne pas vous faire avoir.
L'histoire de cette fille-là, vraiment, que ça vous aide à prendre des mesures pour ne pas tomber dans cette affaire-là. Parce que ce que vous donne à manger, là, on ne joue pas avec. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.